Bonjour à tous. Bienvenue au cinquième Big. C'est merveilleux de vous avoir tous ici avec nous. Nous avions cette nuit 52 000 inscrits, rendez-vous compte. Et pour la première fois cette année, depuis 5 ans, les 3 000 salariés de BPI France sont montés de toutes les régions pour vous accueillir, vous, les entrepreneurs. Toute l'année, année exceptionnelle à tout point de vue, 2019 pour BPI France, nous avons été sur la route à votre rencontre. Nous sommes allés vous voir, vous, les merveilleux chercheurs de nos universités, vous, les entrepreneurs de l'autre côté du périphérique, vous, toute la sève entrepreneuriale des TPE de l'ensemble des territoires, patronnes et patrons, vous, les patrons de multinationales françaises qui portent le drapeau partout à l'étranger, hommes et femmes, vous aussi, hommes et femmes qui dirigez des fonds d'investissement partout en France et qui financent les rêves de nos entrepreneurs. Banque Nomade, plus que jamais cette année, 120 étapes sur 120 villes de France à votre rencontre. Un événement par conséquent exceptionnel aujourd'hui, 3 000 salariés vont recevoir 52 000 entrepreneurs toute la journée et nous aurons l'honneur de recevoir le président de la République tout à l'heure à 18h30. Au fond, la question qu'on se pose tout le temps, nous, professionnels de l'entrepreneuriat, c'est d'où vient cette extraordinaire joie d'entreprendre qui vous fait rayonner ? Le premier mot qui nous vient à l'esprit, c'est évidemment l'amour de la liberté. Vous êtes des dingues de liberté. Comme si on vous en avait privé. Comme si vous aviez eu une sorte d'expérience du soupirail ou du cachot dont vous sortiriez. Sans cesse, dans les contacts que nous avons avec les entrepreneurs, nous entendons des phrases incroyables. La semaine dernière, à Mantes-la-Jolie, un entrepreneur me disait « On peut vivre sans un rein, on ne peut pas vivre dans un ascenseur lent. » Phrase extraordinaire. Un autre me dit, pratiquement tous nous disent, quand on a vécu ça, c'est-à-dire cette vibration de liberté. Et je me souviens aussi d'une phrase prononcée par un très grand entrepreneur du monde de la mode, Pierre Cardin, qui disait, en 1940, j'ai été arrêté. Ils m'ont gardé 40 heures. Ils m'ont relâché. Je me suis senti comme un oiseau. Et je me suis juré, jamais on ne m'enlèvera mes ailes. Cette vibration de la liberté, c'est vous qui l'apportez, particulièrement dans la société française. Au cœur de cette vibration, il y a une petite pièce, comme dans le violon, qui fait qu'elle sonne juste. La pièce du violon, elle s'appelle l'âme. Et votre âme, c'est la sincérité. C'est un très grand mot, la sincérité. Votre sincérité nous frappe constamment dans les contacts que nous avons avec vous. Elle vous donne le courage, le grand courage, j'ai envie de dire, d'être vous-même singulier. C'est un combat d'une vie, savoir qui on est et reconnaître sa singularité pour pouvoir accomplir quelque chose qui soit de soi. Les artistes savent très bien, notamment ceux qui commencent à peiner, à se renouveler, que la meilleure boussole, c'est toujours de se reporter à ses premières œuvres pour y retrouver son instinct. Manière de dire qu'il faut toujours se souvenir de qui on était à 15-16 ans. Dans ces moments importants où, au fond, la liberté se forge. Eh bien, c'est ce que vous nous dites dans tous les contacts que nous avons avec vous. Et nous savons que la conséquence de ce choix que vous faites de vous entendre, choix finalement parfois trop rare, c'est que vous choisissez des vies qui sont difficiles. La vie de l'entrepreneur est difficile. Elle ne s'accorde pas avec les soucis naturels de l'existence, on va dire. Elle est faite de solitude, elle est faite de sacrifices financiers, elle est faite de sacrifices familiaux. Et nous, BPI France, je voudrais que vous sachiez que nous le savons. Nous savons que c'est dur, que la conséquence de votre liberté, c'est quand même souvent une expérience difficile, enthousiasmante, mais difficile. Nous aimons les grands sincères, car ils sont courageux. Alors, vous êtes différents. C'est incontestablement ce qui vous caractérise. Vous êtes un peu, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas choqués, comme des bêtes sauvages dans une forêt. Vous vous planquez un peu, vous cherchez votre chemin, vous essayez de trouver avant tout le monde les idées qui vont fleurir. Vous êtes dans vos certitudes qui viennent aussi de votre solitude et nous aimons ça. Un peu comme ces bergers des montagnes qui, par nécessité de solitude, au fond, ont un jugement sur les choses. Vous ne perdez pas de temps en débat, vous vous moquez d'être jugé, vous n'attendez pas qu'on vous dise
quoi faire. Vous êtes au travail avec vous-même. On dira que vous êtes à l'œuvre. La conséquence de cette belle solitude-là, c'est qu'elle vous permet d'être transgressif. Et il y a quelque chose chez vous, que nous aimons aussi, qui est cette sorte de transgression volontaire, délibérée, qui va vous emmener, en fait, vers le large. Elle va vous emmener vers une forme d'inconnu qu'en fait vous souhaitez. Et pourquoi est-ce que vous souhaitez, à la fin des fins, cet inconnu que beaucoup de Français, dans vos familles d'ailleurs, ne souhaitent pas forcément? Vous souhaitez cet inconnu car vous sentez bien qu'il va vous révéler, à vous-même et aux autres. Et j'ai en tête une phrase d'un très grand peintre, extraordinaire, notamment par sa longévité, qui est Matisse. Matisse, en 1940, il relevait d'une opération dangereuse à l'époque. Il avait eu un cancer. Il était normalement fini. Matisse se remet à travailler. Après s'être un peu découragé, il se remet à travailler. Et un jour, il écrit à une de ses connaissances, « Je me suis remis à travailler. Je fais encore du cabotage le long des côtes. J'espère perdre pied, car alors je ne pourrai m'en tirer que par l'inconnu. » C'est une phrase extraordinaire, je trouve. S'en tirer par l'inconnu. Et c'est quelque chose que l'entrepreneur a ressenti d'instinct. Aller vers l'inconnu pour s'en tirer. Alors, votre liberté, elle est aussi une morale. Elle est une morale pour le pays et elle est un cadeau pour le pays. Elle n'est pas seulement un carburant ou un moyen. Nous avons besoin, vous, entrepreneurs, de savoir que vous êtes là au cœur de la société française comme une sorte de tonnerre d'énergie indépendante. Vous nous portez collectivement, la société française. Et je le dis très sérieusement, si nous n'avons pas votre liberté, au fond, c'est une forme de décadence. Votre liberté comme la liberté des artistes. Je vous cite à nouveau un autre peintre, exactement au même moment. On est en juin 40, c'est Picasso. Picasso est évidemment détruit par la défaite, deux fois, puisqu'il a été exilé et qu'il se retrouve à nouveau rattrapé par les forces sombres. Il rencontre quelqu'un dans la rue et il lui dit « Tout ceci ne serait pas arrivé si, comme nous, ils avaient fait leur boulot là-haut. » Et il ajoutait, au sommet de l'État, c'est comme l'école des Beaux-Arts. L'école des Beaux-Arts, c'est-à-dire, évidemment, à l'époque, la reproduction, la rente, la persévérance dans l'être, le refus du déséquilibre avant. Et ce que nous dit l'artiste et que nous disent les entrepreneurs, c'est que leur boulot, c'est de se confronter au déséquilibre avant, constamment jusqu'au bout, de se confronter à l'inconnu et de se confronter au chaos, d'une certaine manière, puisque le chaos, c'est la création. Et de la création procède l'avant, le futur, le progrès et toutes les valeurs qui vont avec et qui nous font, en réalité, résister aux tentations négatives. Voilà des messages fondamentaux. Derrière cette morale, il y a ce qui fait de vous, non pas des artistes purs, mais des entrepreneurs, c'est-à-dire des chefs d'entreprise, c'est-à-dire une énergie disciplinée. Vous avez une énergie phénoménale, tout le monde le sait. Vous avez un besoin de dépenser et d'engendrer une adrénaline infinie. Ceci vous caractérise. Il faut bien la canaliser. Et la solution que vous avez trouvée, quant à vous, c'est de créer des entreprises, de créer vos entreprises, au fond un peu pour vertébrer votre énergie et votre adrénaline. C'est ceci que vous avez souhaité faire. Et vous l'avez souhaité d'une part parce que vous aviez cette pression intérieure et d'autre part parce que, là encore, vous considérez que c'est votre boulot, dans le collectif que nous formons tous, de vous confronter à l'inconnu et au chaos. L'entreprise, votre entreprise, est le moyen que vous avez trouvé. Et ce faisant, vous savez bien que si vous voulez durer, vous devez continuer d'apprendre. Et vous êtes des apprenants. Là encore, pardonnez-moi, c'est la dernière fois que je cite un artiste, mais pour moi, les deux mondes sont tellement proches. Je vous cite cette fois-ci Cézanne. Cézanne, il a 55 ans, il est en train de peindre
le portrait de Ambroise Vollard, le grand marchand d'art, certains d'entre vous le reconnaîtront. Et la veille de la séance de peinture, il le croise dans la rue. Et il lui dit « Je pense que demain nous aurons une bonne séance, parce que je viens de passer une journée à copier des tableaux au Louvre et j'ai bien travaillé. » Voilà. Et ben, Cézanne, 55 ans, continue de travailler son art, de creuser sa matière et d'apprendre. Évidemment, on le sait bien, dans un tableau, les quatre cadres sont un des éléments les plus importants de la scène. Donc l'apprentissage de l'entrepreneur, constamment dans la vie, pour lui permettre de continuer d'alchimiser son énergie et de s'accomplir, est fondamental. Et ceci vous explique probablement pourquoi BPI France a décidé, et cette année 2019 est une très grande année de ce point de vue, de créer près de 50 écoles pour cadres, mais surtout pour chefs d'entreprise, quadras, patronnes et patrons de PME dans tous les territoires, pour vous aider à continuer de structurer vos entreprises, vous autoriser à être excessif ou parfois même ridicule dans l'ambition, puisque nous souhaitons que vous doubliez la taille de votre entreprise. Et donc nous sommes devenus, à vos côtés, une sorte de grande entreprise d'accompagnement, d'enseignement, de création de relations entre pairs, entre vous, pour que, en tant qu'artiste comme Cézanne, vous continuiez d'apprendre jusqu'au bout. Voilà un certain nombre de messages que je voulais vous livrer. La sincérité, la liberté, le cœur du sujet, la singularité. Je ne veux ressembler à personne. BPI France est là pour vous permettre, vous donner les moyens de rester absolument singulier toute votre existence d'entrepreneur. Des choix courageux de vie qui font que, évidemment, dans la vie, on peut jouer son argent, mais vous, vous jouez votre argent et votre vie. La morale publique, la liberté entrepreneuriale, cœur de morale républicaine, l'énergie et la discipline qui permet d'accomplir. Tout ceci est finalement très proche des quatre valeurs de BPI France, qui sont, je vous le rappelle, à votre service, représentés par les 3000 salariés de l'entreprise, toute la journée à vos côtés, la simplicité, l'optimisme, la proximité et évidemment, surplombant tout, ça va vous plaire, la volonté. Merci à tous.